Ah mais moi Destiny je l'attendais le 2 sur PC. Et moi j'attends sur PC. Et je vais pas payer 60 boulasses pour un jeu en 30 FPS non 1080p. Perso moi le premier Destiny je me suis énormément amusé dessus. Je ne regrette pas l'argent que j'ai dépensé. Quoi. Vas-y, c'est un feu de camp. J'étais là. Je sais pas à quoi sert ce bouton là. Ça représente le truc que j'ai ramassé tout à l'heure. Putain, c'est chaud de suivre le plan, vraiment quoi. C'est compliqué, on voit rien. Bah perso, moi j'ai juste acheté le jeu de base. Hein. J'ai pas préco les DLC et tout team, ça ne m'intéresse pas. Déjà m'amuser avec le jeu tel qu'il est. Et j'ai pas envie. J'ai pas envie de payer des DLC dont je connais pas la qualité avant. Oh. Monsieur le chien grande norisha. Oh, il est tellement cool le chevalier. Ça a l'air vénère le ver qui l'a attaqué. D'accord, il faut que je ramasse tous les angles, enfin les trois angles pour avoir. Pour ouvrir la porte. Et ce qu'il m'a montré, c'est justement les trucs à ramasser. Et j'en ai déjà deux. Ok. Ça a bien une gueule de serpent géant vénère. Hein. Pensais qu'au vu de la carte, on pourrait passer. Et du coup, faut que je retourne en arrière pour aller chercher le truc. Non, c'est un jeu indépendant. Je sais plus à combien il est sur Steam, il doit être à 20 €, je crois. C'est un très bon jeu qui a eu de très bonnes notes. J'ai tellement envie d'aller fouiller, mais je sens tellement que je vais me faire baiser. Du coup, on va retourner en arrière et essayer de chercher. Non mais oh! Oh la quenelle!
fouiller par là. Et merci pour le Tiger. Bon alors, notre ami nous a dit que si on revenait là, il y en avait un en haut et un en bas. On va aller chercher les pouvoirs. Alors qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends le double dash? Est-ce que je prends le super coup d'épée vénère? Est-ce que je vais m'acheter une grenade? La grenade, ça peut être cool. Mais bon, le renvoi de Bastos, ça peut être vénère aussi. Je pourrais acheter des trucs de soins. Gadash, il peut être cool. Ah, j'hésite. Parce que ça, c'est cool quand même. Et le Megadash, je suis sûr qu'il y a plein de passages secrets à la con cachés que tu peux passer que si t'as le super dash, quoi. Ça aussi c'est cool. On va prendre le Mega Dash. Avec un peu de chance, choper le Mega Dash, ça va nous permettre d'avoir accès à plein de nouveaux endroits avec de la thune. Et donc plus de thune. Et comme fric égale pognon. Que je viens de me casser la gueule contre un mur. Je peux en faire 3. Non. Pas ce truc, c'est quoi? Ah, il y a un timing. D'accord. Le dernier, il y glisse. Bye bye, au plaisir l'ami. Passe une bonne fin de journée. Ouf. J'ai réussi à en faire 5. Je me suis cassé la gueule. Je sais pas si je peux tourner à l'infini. Tu peux tenir combien de temps comme ça? C'est super chaud. J'ai fait un succès, Chain Dash champion. C'est pas facile. Là, il y a une barre au milieu de progrès, je sais pas à quoi ça correspond. Je me casse la gueule.
Faut tenir le rythme. Aïe! Aïe! Putain, le bruit, il est vénère quand je me claque contre un mur. Putain, j'arrive pas à maintenir le rythme. En fait, plus t'avances et plus faut aller vite, en fait. Faut pas garder le même timing, faut accélérer. Ah, merde! Super dur. Je vais avancer dans le jeu, hein. Je veux juste essayer voir si j'arrive à débloquer le truc. Aïe! Aïe! C'est frustrant. J'ai envie d'y arriver, ça me saoule. Putain. Et merde. Bon allez, dernier essai. Tant pis, je réessayerai plus tard. Je sais pas ce que ça débloque. Peut-être qu'il me redonne de l'argent, je ne sais pas. Mais bon. Au moins, on a un pouvoir avec ça, on va se déplacer super vite. C'est quoi qui a désactivé? Ah, la coop. Ouais, la coop du jeu, c'est comme dans Dark Souls, ça n'a aucun intérêt. Ça doit être beaucoup plus facile. Je sais pas si la cam je l'ai trop reculée ou pas assez. Ou il aurait fallu que je la zoome plus. Ah, c'est du local. Ah oui, c'est vrai, Course m'avait dit aussi que c'était du local only. On est revenu là. Je sais pas à quoi ça sert. J'essaye de voir si genre il faut enlever tout le quadrillage pour gagner. Et ça ressemble aux énigmes où il faut repasser sur tout le truc sans repasser sur la même dalle. Je sais pas si c'est ça. Je suis en train de me tuer là. Ou alors il faut juste. Non! Tu avais plus de vie. Y a pas de truc punitif quand on meurt? Quand on meurt, hein? Non, on perd rien.
Voilà. C'est ça que j'avais pas fait la dernière fois. Non! Bah, le but, c'est d'avancer dans le jeu. Non! Tout simplement, tu te réveilles parce que t'as été attaqué par une bestiole et... Hop. Et le but, bah, c'est d'avancer. Pour l'instant, tout ce que je sais de l'histoire, c'est qu'il faut que j'avance. Non, mais c'est de la triche, ça!